devant une situation grave. Tout seul, il est impossible pour moi d'assumer sa responsabilité qui d'envergure. Et c'est pour cela qu'il m'a besoin de coup de main. Moses déclenche un processus de prise de conscience. Mais puis là, c'est une connaissance de longue date. Moses Djali, qui m'admire ce courage. Il y a un courage énorme qu'il immense avec un adversaire terriblement fort, dont la force est en ascendance. Mon adresse une lettre au président de la République. Parce que sous la section 28N, 31N et 58N, l'éclair, il y a un rôle d'importance capitale à jouer dans la situation actuelle. Et qui fait mon adresse une lettre parce qu'il n'est pas un nominé du MSM. Il est un nominé du parti de Colin Davelou. Donc, je souhaitais qu'il y ait une indépendance d'esprit. Est-ce qu'il y connaît ce doux? Bien sûr qu'il y connaît lui. Parce que c'est un moment de ensemble dans mon activité de recherche. La seule faiblesse ici, c'est que Colin Davelou n'est pas contemplé. C'est pour ça que je n'ai pas fait un appel à Colin Davelou. Le petit man, le président de la République, réintégrer, fait une démarche pour qu'il pile, réintégrer et continue à mettre l'autre dans les Mauritiuses. Il y en a 15 du monde qui siègent dans le directeur dans les Mauritiuses. Ou il ramasse 5 du monde là-dedans, où il y a un quorum. Le quorum appliqué dans la démocratie, quand tout le monde a le temps pour être convoqué, pas fini dans l'agenda qui est distribué, ça nomme du monde qui constitue sa quorum là présent. Là, le quorum légalement. Constitué. En ce qui concerne mes piliers, moi, je demande de poursuivre et à Mauritius. Et je fais un appel aux autres membres du board, aux autres membres du board, qui n'est pas d'accord avec la façon qu'ils convoquent sa board là, qui n'est pas d'accord avec le fait qu'ils s'attirent là pour agir comme un PDG. Je ne demande pas de démissionner, parce que démissionner est trop facile. Je demande de reste comme témoin et prend position dans la gazette pour qu'il arrête sa manzor de problème qui est là. Alors, si Darambu vous avez sur prise de position, et bien vous pouvez s'appeler là-dedans. Et vous va trouver moi qui manière sur deux pour qu'il reste un Mauritius. Fini ça. S'il reste un Mauritius, ça paye la vie pourri. Nous pouvons trouver qu'aujourd'hui, et c'est là une des bonnes intentions qui m'ont écrit à la présidente de la République, c'est qui. Il n'est pas normal qu'Aniro Jacknot vienne dire qu'il s'en a qui pour remplacer lui. Sous la Constitution, c'est la responsabilité de la présidente de la République. Et c'est pour ça qu'il m'a dit lui dans sa lettre-là, rendez service dans la prochaine rencontre qu'il a gagné avec Jacknot, il n'y a pas au pouvoir et aux responsabilités. Parce que tout ce qui peut arriver, nous là, il peut arriver depuis qu'Aniro Jacknot a déclaré qu'il peut aller et que ce garçon peut remplacer lui. À partir de là, il y a une décantation dans le pays. Je ne veux pas réaliser qui irait à Aniro Jacknot une faire pour le pays quand il dit ça. Il y a un gouvernement bicéphale. Au fait, il y a des gouvernements dans le pays. Des cabinets dans le pays. Cabinets qui sont nommés par le Premier ministre et ratifiés par la présidente de la République et qu'un autre sous Pravin Jacknot. Le MSM est capable de casser avec ce qui peut passer dans le pays. Quand une situation pareille comme ça, moi personnellement, je suis capable de l'adresser au cadre de l'État. Je l'adresse au cabinet de secrétaire, je l'adresse au solliciteur général, je l'adresse au financial secrétaire, surtout au financial secrétaire dans certains cas. Je suis capable d'aller à Get Financial Secrétaire, je dis comme ça, il y a des dossiers bien sales dans les Mauritius, rendre-moi un service en tant que chef des responsables des finances. Qui peut passer. Mais l'idambaud, papa, l'idambaud est à Mauritius, les parties prenantes, les Saman Gabzila. Moi, je peux dire à la présidente, sa trois fonctionnaires, solliciteur général, financial secretary, cabinet secretary, bizarre arrêté qu'ils siègent dans ma compagnie contre l'État et n'a un contrôle à faire. Le bizarre jouer notre rôle de responsable de l'État. Et non pas être judge and party at the same time. Manraz, il est dans le board. Il n'est pas habituel dans le board. Je check ça. Il est absent dans le board comme board member.
C'est le type qui plus absente lui dans Bowl. C'est moi, ça joue là, désert 30, Lingen Call, il supposait venir. Et tu veux le faire quoi qui peine la conspiration là-dedans? Qu'est-ce que ça va faire? L'un décide à la tête chairman à désert 30, il convoque du monde pour rentrer. Fin bizarre et il y a une conspiration. Si va avec Manraz. Le final là-bas, pour une ordre des directives, non pas du Premier ministre, mais du ministre des Finances. Et qui directive qu'il y prend? Puisque le Premier ministre n'est pas au courant de rien, qui fait une retière avec pilé. Vous attendez d'un pays, ça, vous ne pouvez venir d'une république bananière. Un Premier ministre dire, il n'y pas connu. M'adresse-moi à niveau de Jagnat en passant. Moses Djali, et moi, pour écrire une lettre, il peut amener poison dans sa famille. Sa famille peut éclater entre frères et sœurs, entre petits-enfants contre petits-enfants. C'est comme ça qu'une dynastie détermine le pouvoir. Moi, je demande Béranzé, n'a pas commis l'erreur. Jagnat est élu en 2014. Qui assume ce rôle de Premier ministre? Jusqu'à next election. S'il n'est pas capable de s'immoler pour une raison ou une autre, Bisléala nous demande fresh elections. Alors, si aujourd'hui on vient une commission d'enquête, l'OM Richesse, et qu'il a la présidente d'accord pour une commission d'enquête, il n'est pas pour capable de mettre une commission d'enquête, il vous a demandé Jagnat, et est-ce que vous pensez que Jagnat pour agir contre ce garçon? Est-ce qu'une minute du monde pense que Jagnat pour agir contre ce garçon? Et c'est ça le drame d'une république dynastique. C'est ça le drame. Un papa pas qu'à tient le sous-petit, mais le sous-petit en ordre. Ni un petit, mais à bas, ce papa.